Courir pour atteindre quelque chose? Pour se sauver? Pour oublier? Cela ne fonctionne pas toujours, on essaie de l'attraper, mais cela nous échappe des mains. On veut s'éloigner de ce qui nous poursuit, mais on trébuche, ou on cherche à fuir le plus loin possible. Il est trop tard, cela nous est murmuré à l'oreille. Chapitre 2. Cours. Pendant que maman continuait à me parler des bulletins scolaires, je ne pouvais m'empêcher de me sentir divisé. D'un côté, il y avait mon comportement en classe, qui semblait ne pas correspondre à ce que les professeurs attendaient d'un enfant de mon âge, même avec un quotient intellectuel élevé. D'un autre côté, l'image de l'homme mystérieux me hantait, son absence ne faisait qu'approfondir le mystère et l'inquiétude que je ressentais. C'était comme si deux mondes s'entrechoquaient en moi, le monde réel de l'école, des attentes et des règles, et le monde sombre et sans réponse de ma récente expérience. Chacun me tirait dans des directions opposées, me laissant dans un état de confusion et de peur. Comment pourrais-je expliquer l'inexplicable? Comment pourrais-je réconcilier mon esprit, la logique contre la peur que je ressentais? L'absence de l'homme au manteau gris n'était pas un soulagement, mais un rappel qu'il y avait des choses que même mon intelligence ne pouvait comprendre ou contrôler. Et cela, pour un enfant habitué à avoir des réponses, était peut-être la chose la plus terrifiante. Peut-être penses-tu que j'exagérais, que c'était un mauvais tour de l'esprit d'un petit garçon qui lit trop de fantaisie. Mais ce n'était pas le cas, je te l'assure. La réalité que j'ai vécue à cet instant était aussi palpable et terrifiante que tout ce que j'ai pu lire dans les livres les plus sombres de mon étagère. Et bien que maintenant ce ne soit qu'un souvenir, la peur que j'ai ressentie reste une ombre qui m'accompagne. Pédiatre ! M'exclamai-je, ma surprise et ma nervosité évidentes dans ma voix. Les contrôles ont lieu tous les 2 ou 3 mois, et à peine 15 jours se sont écoulés depuis le dernier. Oui, pédiatre. Insista maman. Mais aujourd'hui, je viens d'avoir 9 ans, je suis pratiquement un homme. Protestai-je, en essayant d'insuffler dans ma voix la maturité que je sentais mériter. Les dinosaures sur tes caleçons disent le contraire, répliqua maman avec cette moquerie maternelle qui me frustrait tant. Ma maman avait toujours trouvé un moyen de me rappeler qu'à ses yeux, j'étais toujours son petit. Parfois, c'était frustrant, surtout quand il s'agissait de questions qui soulignaient mon caractère enfantin. Bien que mon esprit puisse comprendre des concepts que de nombreux adultes trouveraient complexes, dans ces moments-là, je n'étais rien de plus que son enfant, et cela pouvait se sentir limitant. Es-tu sûr que cela n'a rien à voir avec ce que tu as vu quand tu me baignais, peut-être quelque chose sur mon dos? Demandai-je sérieusement. L'idée d'une visite chez le pédiatre si peu de temps après la dernière m'inquiétait. Je ne pouvais m'empêcher de penser que maman avait découvert quelque chose de préoccupant pendant qu'elle m'aidait à me baigner ce matin. Quelque chose qui justifierait son insistance pour un examen médical si soudain. J'avais eu mes propres craintes sur la raison pour laquelle ces zones rouges étaient apparues sur mon corps, similaires à celles d'un coup violent ou d'un accident. Bien que j'essayais de rester calme et d'appliquer ma logique pour analyser la situation, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement d'inquiétude chaque fois que je voyais ces marques sur ma peau.